Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos abonnements et likes, j'apprécie beaucoup, n'hésitez pas bien sûr. Eh bien aujourd'hui on va voir un thème. Va-t-il revenir? Eh bien votre compagnon en campagne. Donc on va voir si donc vous aurez la chance dans le futur et votre relation peut évoluer. Posez un petit peu vos questions, peut-être on va voir les réponses maintenant. Eh bien, vous savez tout de suite j'ai la belle carte, magicien. Vous savez, ça me montre la personnalité de quelqu'un qui est très fort. Vous savez, vraiment, c'est la personne qui a des idées dans sa vie. Il fait peut-être un plan, l'analyse, il fait sa stratégie. Il veut avoir le résultat dans le futur. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a un caractère tellement fort qu'il souhaite avoir cette réussite dans la vie. Donc voilà, ici, ça concerne la vie amoureuse. Ça me montre quand même que c'est quelqu'un qui peut-être souhaite vous séduire. Et peut-être qu'il a déjà un plan par rapport à cela. Eh bien, très intéressant. Il a car des amoureux. Alors, vraiment, ça me montre que vous avez quand même l'amour envers vous, mais c'est quelque chose tellement fort. Ça vient de vous deux. C'est très profond. Vous savez, c'est comme deux personnes qui souhaitent avoir donc cette union donc envers vous. Et vous prenez cette décision et c'est le sentiment qui vous réunissent. Donc voilà, et eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous savez aussi, faites attention parce que c'est un petit peu la carte d'apathie. Peut-être en ce moment, il y a des propositions de la part de peut-être ce monsieur ou ça peut être aussi madame, mais vous êtes un petit peu donc en attente. Vous ne savez pas est-ce que vous souhaitez cela. Donc vous pouvez avoir des propositions aussi. Mais voilà, en ce moment, vous êtes un petit peu en réflexion. Mais attention, parce que si vous vous retrouvez à cet état, peut-être vous pouvez rater certaines opportunités qui s'ouvrent à vous. Eh bien, vous savez que la personne, il a plein de projets pour votre vie, pour le futur. Mais le monde s'ouvre à vous. Il y a vraiment plein de possibilités, des choses que vous pouvez réaliser. Sachez cela, eh bien. Et toujours, c'est un petit peu cette carte d'attente. Je pense que justement, peut-être en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui se passe entre vous. Peut-être votre relation, il est un petit peu en pause. Et c'est pour ça que vous posez cette question. Qu'est-ce qui vous attend dans le futur? Est-ce qu'il ou elle va revenir? Donc, est-ce que notre relation va évoluer? C'est possible? Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Ah, vous savez, je pense que dans le futur, vous pouvez réaliser beaucoup de choses en commun. Et les projets que vous avez peut-être pour votre futur, eh bien, vous devez les faire ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Eh bien, et vous savez, j'ai l'énergie de monsieur. Alors, vous savez, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Donc, vraiment, il fait aussi le plan. Vous savez, ces deux cartes, c'est vraiment tout à fait. Ça ressemble beaucoup. Ces deux personnalités, c'est vraiment quelqu'un qui aime tout analyser dans la vie, il réfléchit beaucoup, il fait son plan et qu'il souhaite suivre, il ne va pas plutôt suivre ses sentiments, mais vraiment son analyse dans la vie, il a un petit peu l'esprit froid. Donc voilà, mais c'est tout à fait logique, je pense que monsieur, il réfléchit en ce moment, il prépare quelque chose pour votre futur, eh bien, comment votre relation peut évoluer, empereur? Alors vraiment, c'est quelqu'un aussi qui est très puissant, le caractère très fort, c'est aussi la personne qui est orientée vers le résultat. Eh bien, il y a la discipline dans sa vie, il souhaite tout contrôler, donc voilà, peut-être il peut être aussi un petit peu autoritaire, donc préparez-vous, et si vraiment il y a cet homme dans votre vie, eh bien, elle peut peut-être vraiment considérablement changer votre vie. Et vous savez, en ce moment, donc il se pose aussi des questions un petit peu philosophiques, peut-être il cherche justement trouver la solution, donc comment changer votre situation. Il fait attention à tous les détails, donc préparez-vous à cela. Et bien, et vous savez, vous allez trouver une certaine stabilité dans votre relation, donc dans le futur. C'est quand même très positif ce que je peux vous dire. Et bien, et ça peut être aussi la stabilité financière, peut-être aussi ça dépend de un projet de monsieur dans son milieu professionnel, donc ça dans sa vie, donc
de travail, eh bien, la carte de l'amour encore. Et vous savez, c'est vraiment très positif parce que nous avons eu des amoureux. Eh bien, maintenant, encore, donc cette carte d'amour qui me montre que vous pouvez avoir les rencontres amoureuses, préparer à vous à cela, la déclaration d'amour aussi, bien sûr. Et justement, à côté de carte de projet, que monsieur a donc vis-à-vis de vous, pour votre couple, c'est tout à fait logique. Eh bien, vous savez peut-être aussi, vous, vous faites un petit peu autour de vous comme un mur de protection. Peut-être vous sentez un petit peu réservé en ce moment. C'est pour ça, peut-être, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Peut-être vous n'êtes pas si ouvert, donc, vis-à-vis de cet homme. Donc, c'est possible. Et effectivement, j'ai la confirmation. Peut-être, il y a un choix difficile dans votre vie. Et vous ne savez pas quelle décision prendre, comment développer votre vie. Peut-être, il y a des changements qui vous attendent, vous devez prendre des grandes décisions, donc c'est possible. Mais pour cela, je dois vous dire, vous devez regarder les situations au clair. Posez-vous des bonnes questions, discutez entre vous, donnez vraiment votre image de la vie que vous souhaitez avoir. Il faut parler vraiment au clair par rapport à tout, voir les pour, les contre, pour vraiment voir cette situation au clair et prendre une bonne décision. Eh bien, et vous savez aussi, peut-être il y aura un peu d'attente donc entre vous dans votre couple. Mais prenez ce temps-là pour tout analyser, pour penser à votre vie, poser donc les questions, retrouver des réponses, pour prendre vraiment une bonne décision dans le futur. La vie vous donne cette chance, la possibilité. Et si vous avez cette pause donc entre vous en ce moment, eh bien, prenez cela positivement. Et voilà. Et quel sera le résultat? Et vous savez, tout de suite, j'ai la carte de résultat quand même. Donc, ça peut être très positif. Vous pouvez avoir des nouvelles positives de la part de monsieur. Donc, voilà. J'ai vu aussi plusieurs cartes de voyage. Vous savez, ça peut être aussi que vous pouvez faire un voyage ensemble et ça sera positif pour vous. Et l'amour, bien sûr. Alors, vous savez, ça peut être un nouveau départ que vous avez. Ça peut être la déclaration d'amour. Donc, préparez-vous à cela. Mais c'est vraiment des émotions qui vous déborde, tellement ça sera important donc pour vous dans le futur. Donc voilà, mais c'est quelque chose de très positif. Et bien, alors je vois toujours un petit peu désolation, que peut-être vous n'êtes pas ensemble en ce moment, donc c'est tout à fait possible. Et bien, comment ça se termine? Qu'est-ce que nous devons savoir? Alors là, maintenant, j'ai l'énergie de madame. Et bien, vous allez vous montrer quelqu'un très actif, motivé. Vous savez, vous peut-être même vous avez deux caractères qui ressemblent. Donc, monsieur et madame, et vous devez montrer vraiment votre envie, donc désir, ce que vous souhaitez dans le futur. Et vraiment, vous pouvez avoir des projets en commun par rapport à votre relation. Eh bien, vous savez aussi. Donc, il faut peut-être être un petit peu malin dans votre vie. Vous savez, je pense que c'est monsieur qui va se montrer de cette façon parce que je pense qu'il a déjà un plan, donc il a tout analysé, donc par rapport à vous, par rapport à votre caractère. Il va trouver un moyen pour s'adapter, pour éventuellement changer votre vie. Justement, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Vous êtes un petit peu comme en protection, donc dans votre vie. Eh bien, il va trouver le moment, comment surpasser tout cela. Eh bien, la carte d'étoile. Alors, c'est le rêve qui se réalise. Vous savez, il faut vraiment regarder les cartes les plus fortes qui nous donnent l'image globale. Donc, ce que vous pouvez avoir dans le futur, eh bien, il y en a plusieurs. Par exemple, la carte des amoureux, magicien, donc empereur. Donc, ça montre vraiment la personnalité de cet homme qui est très, très fort. Et le rêve se réalise avec lui. Alors, aussi l'énergie de madame, vous allez vous montrer aussi quelqu'un qui analyse la situation. Faites aussi vos plans dans la vie, donc ce que vous souhaitez réaliser, eh bien suivez un petit peu votre logique également. Vous êtes pareil, vous êtes ici dans les mêmes énergies également. Donc vraiment, il faut montrer encore plusieurs cartes, tellement c'est positif. Donc voyez, vous êtes pareil avec monsieur, donc vous aimez réfléchir beaucoup dans votre vie, donc prendre de bonnes décisions. Et il y a quand même des sentiments dans votre vie, et le rêve qui se réalise. Donc vous devez compter sur cela. Vraiment dans votre futur, eh bien, sur la question, est-ce qu'il va revenir? Bien sûr que oui, parce que monsieur, il a un plan, donc pour le futur, il a des grands projets, comment il souhaite évoluer, donc votre vie amoureuse, mais préparez-vous à cela, donc soyez plus ouvert, eh bien, je vais regarder la carte de conseil.
Et vous savez, peut-être vous avez aussi une certaine tristesse par rapport à votre vie, par rapport à votre passé, mais tout n'est pas perdu. Vous pouvez évoluer votre vie positivement dans le futur. Eh bien, comment vous devez vous comporter? Eh bien, c'est la carte de mariage. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que si vous, dans le passé, vous avez eu une situation difficile, peut-être des déceptions, eh bien, vous devez laisser tout cela dans le passé parce qu'il y a quand même des bons sentiments qui vous attendent. Vous devez être orienté vers le futur, vous arrivez vers une certaine stabilité dans votre relation, et bien pour certains, ça peut être même le mariage. Et bien, c'est vraiment très positif ce que je vois, il va revenir. Comptez-vous sur vos sentiments, sur votre couple, ce que vous avez dans la vie. Et je pense qu'il y a quand même des belles choses qui vous attendent. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, réussite, passion, et n'oubliez pas, le destin vous appartient.